What you doing? Where you at? Oh, you got plans? Don't say that. I'm sipping wine in a row. I look too good to be alone. I'ma leave the door open. Woo! Bon, j'arrête mes conneries. Hey, hey guys! J'espère que vous allez bien, moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, j'ai mis un peu de lumière, j'ai changé de décor, il faut faire entrer un peu la lumière, on arrête un peu avec la partie sombre là, parce que déjà je me fais traiter de sorcière par certaines personnes. Donc, guys, aujourd'hui, je vous retrouve pour la partie 3, enfin, de vos pires confessions. D'ailleurs, pour ceux qui veulent témoigner, raconter leurs petites bêtises, faites-le à cette adresse-là, ou alors, venez me rejoindre sur Instagram. De temps en temps, j'ouvre des stickers. Donc, disclaimer, hein, parce que il y a des gens qui... Comment je pourrais dire ça en des termes plus polis? Il y a des gens qui pensent que tout ce qui sort de ma bouche ici, en fait, c'est à prendre au premier degré en ce qui concerne vos pires confessions. Oui, je juge, c'est vrai, mais bon, prenez ça au second degré et puis on est là pour rigoler et franchement, vous faites ce que vous voulez, en fait, dans votre vie. Donc voilà, sans plus tarder, on arrête de blablater et puis passons à la vidéo. Générique. Eh, ça fait longtemps que j'ai pas passé ce générique-là. All eyes on me. C'est parti, on commence. Donc, premier témoignage. Quand j'avais 16 ans, j'étais sortie en boîte avec mon copain de l'époque. Et on avait bu. J'étais gravement ivre. Bah ouais, si t'as bu... J'étais gravement ivre, j'ai vomi du raftout sur la piste. La honte totale. Donc le raftout, pour ceux qui savent pas, ce sont les feuilles de manioc pilées. Je crois que ça s'appelle aussi feuilles de cassava. Oh mon dieu, la honte, j'aurais pas aimé être à ta place. Enfin, après, ça dépend si c'était ton crush, genre c'était votre premier date. Là, franchement, la honte, quoi. Tu bois comme un trou et tu finis par gerber tout ce que t'as bouffé. En plus, un truc hyper vert comme ça. Yo. Mais après, si c'est un copain depuis longtemps, je pense qu'il comprendrait. Mais quand même, allez-y mollo avec l'alcool, les gens, franchement. Et pour les enfants qui regardent, hein, la consommation de l'alcool, c'est pas bon, hein. C'est interdit avant un certain âge. Et puis de toute façon, il faut... Bref, vous aurez compris. Allez, prochaine confession. Quand j'étais en maternelle un jour, je jouais à la marelle. J'étais en jupe. Quand ça a été mon tour, ma culotte est tombée. Hein. Vous allez me tuer? Je commence à peine que vous voulez me tuer déjà. Ma pauvre. Là, on... Mais après, t'étais petite, donc... Je sais pas si à cet âge-là, on ressent vraiment déjà la honte comme à un certain âge, mais... Oula, gênance, quoi. En primaire, j'ai volé le cahier d'un gars de ma classe pour rigoler et je lui ai écrit une lettre de rançon. Il a pleuré. T'as vu ce que t'as fait? Il a dit à la maîtresse, qu'il a dit au directeur. Il y a eu une enquête dans l'école et j'ai fini par me faire punir alors que c'était juste une blague. Ça, c'est le karma boomerang, ça, cocotte. Bon, je pense que ça t'a servi de leçon, mais il faut pas faire des choses comme ça. En plus, t'as fait pleurer le garçon. En prépa, il y avait un mec super raciste, encore eux, que je ne pouvais pas blairer. Un soir, avec la classe, on a fait une soirée. Et je sais pas comment ni pourquoi, mais il a fini dans ma chambre en slip et on s'est embrassé. Je sais pas quoi te dire, en fait. Je suis tellement gênée, dégoûtée, mais... Why? Le mec, il t'aime pas. Enfin, il est raciste. Pourquoi tu finis dans une chambre déshabillée avec ce genre d'énergumène, en fait? Je comprends pas. Il a dit que tu es bête. Genre, si ça se trouve, pour lui, en fait, c'était juste... Il s'est dit, bon, je les aime pas, mais je vais quand même goûter pour voir, en fait. Enfin, bref. Ferme-moi. C'était un groupe de 4 personnes dans ma classe au lycée qui n'était pas très propre. Genre, tarte sur... Tarte. Tarte sur les dents. Pardon, on recommence. Alors, c'était un groupe de 4 personnes dans ma classe au lycée qui n'était pas très propre. Genre, tartre sur les dents, cheveux gras, il y en avait même un qui sentait la pisse. Ils étaient en train de pique-niquer dans la cour du lycée et ont laissé une bouteille d'iced tea sans surveillance à moitié remplie. Mon meilleur ami a alors craché un mot... Oh.
a alors craché un molard visqueux dégueulasse dedans pour voir s'il allait capter le truc. On voyait clairement qu'il y avait des particules blanches de yaourt qui flottaient dans la bouteille. Eww, c'est dégueulasse! Ils ont bu le contenu de la bouteille sans sourciller. Ah, c'est dégueulasse! Ah, pourquoi vous avez fait ça? Bref. Pas de commentaires. Quand j'ai eu mon bac, j'ai déménagé en France avec mon grand frère pour poursuivre mes études. Mes parents et mon copain sont restés à La Réunion. Pendant les vacances de Noël, mon autre grand frère est venu chez nous ainsi que mon copain. Nous étions donc à quatre. Mes parents n'ont pas cessé de me répéter « Pas de rapport avant le mariage !» Des vrais parents malgaches. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'ai déjà fait ma première fois avec ce copain en question. Donc, quand ils ont su que mon copain allait venir, ils ont dit à mes frères de dormir dans ma chambre durant son séjour chez nous. Mais vous vous doutez bien que des mois sans se voir, nous étions tous les deux en chaleur. Et on l'a quand même fait à côté de mes frères. Ah ! Pendant qu'ils dormaient dans le lit. Mais le lit grinçait, ça les a réveillés. Ils étaient vénères et j'avais tellement honte. Mais meuf, ça m'aurait jamais traversé l'esprit. Oh, mais non, 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 non. Vous auriez pu, je sais pas moi, sortir la journée et faire vos affaires la journée quelque part en fait, louer un truc. Faut pas... Voilà, tu t'es fait choper. Ah mais elle continue. Bah après tout ça, des mois sont passés, ma mère m'a appelée en larmes. Je pensais qu'elle me faisait une blague. Sauf que pas du tout, elle me dit « C'est quoi toutes ces photos nues de toi là ?» Non mais tu l'as cherché, c'est pas possible. J'étais choquée, comment elle a eu mes nudes? Il y avait ceux de mon copain aussi. Ah, what the fuck? En fait, je savais pas que mon compte iCloud était celui de ma mère aussi. Plus tard, elle est venue chez moi, ça s'est arrangé. Mais bon, c'est trop beau pour être vrai. Elle a vu un god dans ma chambre. Quand je dis, tu fais exprès. Elle m'a dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est pour laver ma... me laver ma choupette. Elle m'a pas cru. Maintenant, elle me prend pour une info. Mais toi, toi, c'est le pompon, toi. Non, mais tu enchaînes connerie sur connerie. C'est pas possible. Tu prends même pas la peine de ranger ton jouet, en fait. C'est que t'as envie qu'elle te chope. Heureusement que c'était ta mère encore. Hein. Imagine, ça aurait été ton père. Et... Next! Et c'est reparti pour les histoires de pipi, caca et de prout. J'ai déjà fait un prout et accusé mon bébé. Je suis pas la seule mère à le faire. Ce pauvre petit être innocent, ça se fait pas, c'est méchant. J'ai déjà été me cacher pour manger en vitesse pour que mes enfants ne me voient pas dans les toilettes. C'est quoi ces mères là? Non mais oh! Est-ce qu'il y a d'autres mères qui font ça? Faites-moi savoir en commentaire. Donc je lui ai demandé plus de détails et apparemment c'était du chocolat. En plus, c'est pour aller bouffer du chocolat. Est-ce qu'il y a d'autres mères qui font ça? Allez, pointez-vous là en commentaire que je vous juge. Je vous fais déjà le regard accusateur. Franchement, c'est quoi ces mères? Next! Allez, je participe. Mon Dieu, pardonnez-moi, ça commence bien. Mais je fais régulièrement des commandes assez importantes, niveau prix, hein. Et je dis que j'ai pas reçu pour être remboursée la honte MDR. Toi, t'es vraiment coupable. T'es fière de toi. Je sais même pas quoi te dire. Ça ne se fait pas. Imagine, tu te fais... Déjà, les gens, ne reproduisez pas ce que ces gens-là me confessent ici, hein. Ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça. Je lui ai demandé quelques précisions et apparemment, la personne, elle a fait ça avec pas mal de marques de vêtements, de bijoux, notamment à Noël. Elle a fait des grosses commandes à un moment où elle n'avait pas assez de flouze et après, elle s'est fait rembourser tous les cadeaux de Noël. C'est immoral. Elle s'est repentie depuis, elle ne le fait plus. Next! Il y a 10 ans ou 11 ans, on a fait un after avec des collègues en boîte. Tequila sur tequila. J'étais tellement bourrée. Jamais été aussi bourrée de ma vie car j'ai mis 3 jours à m'en remettre. Bref, en sortant de boîte, j'ai vomi en pleine rue et en même temps, j'ai chié dans mon froc.
Vous allez me tuer. Mes collègues avaient hélé des taxis, mais aucun ne nous a pris, sauf un qu'on connaissait. La facture était salée en plus. Ils ont dû chercher un sac en plastique pour m'asseoir dessus. Bref, depuis là, trou noir, complet. Et le lendemain, je me réveille, j'avais plus de vie en moi. Mon père était seul à la maison. Et il m'a dit, t'as pas honte? J'ai dit, c'est qui m'a changé et lavé? Il m'a fait, c'est moi et une de tes collègues. Oh putain! J'avais eu envie de me flinguer d'une balle dans la tête. Bah, je te comprends, franchement, ton père qui... Déjà qu'il a fait ça quand t'étais bébé, mais là tu lui redemandes de faire ça alors que t'es grande et responsable de tes actes, ouais, c'est honteux. Depuis, plus jamais touché à la tequila, bah je te comprends en fait. Bah écoute, j'ai rien à te dire parce que franchement, t'es déjà criblé de honte, quoi. Next. J'avais un crush sur quelqu'un. Puis pour attirer son attention, j'ai fait semblant de téléphoner et de rigoler très fort en passant devant lui pendant qu'il discutait avec une amie en commun. Bah en fait, j'ai composé le numéro de l'amie en question qu'on avait en commun par erreur. Et elle m'a crié, pourquoi tu m'appelles? Je suis juste devant toi. Non mais là, honte. Oh là là, ma pauvre. Je suis jamais tombée dans ce genre de situation. Je sais pas si vous êtes déjà tombée dans ce genre de situation. Faites-le nous savoir en commentaire. Mais je crois que moi, je serais partie en courant, en fait. Ah non, je serais pas restée là. Next. Le cousin d'une amie, Nina, qui s'appelait Mathieu, venait de s'installer à Madagascar. Nina a joué l'entremetteuse et moi, j'étais complètement envoûtée par le charme suédois. À l'anniversaire de l'ami en question, on a un peu trop bu et on voulait nous trouver un coin tranquille pour se câliner. Coquine. On a choisi la voiture du copain de Nina, il l'avait laissée ouverte. Sauf que pendant qu'on se câlinait dedans, le copain en question voulait ramener sa grand... sa grand-mère, sa tante et d'autres membres de la famille chez eux. Ils se sont donc tous pointés dans la cour vers la voiture et on s'est retrouvés surpris par tout le monde. La grand-mère a toqué à la fenêtre de la voiture. Heureusement qu'on n'était pas nus. Ouh. Mais il était sur moi, alors c'était la honte. Il est sorti de la voiture en furie avec une bosse dans le pantalon. Moi, j'étais tout étourdie, ne savant même plus comment sortir de là. Bref, la honte. Vous avez une vie, mon gars. Épicée, tumultueuse, tout ce que vous voulez. Guys, en plein tournage, là, je vois qu'on est à 5000 abonnés. Je vous love. Merci pour autant d'amour. Merci, merci, merci. Je sais même pas quoi dire, là, tout de suite. Réaction à chaud, je suis trop contente. Yay. Bon, je vais finir avec ce dernier témoignage. Et après cette vidéo, rejoignez-moi sur Instagram. Je vous mettrai le sticker pour vous demander quelle vidéo vous voulez pour vous remercier pour ces 5000 abonnés. Bon, prochaine et dernière confession. Elle est assez longue, donc c'est pour ça que je vous dis, je vais terminer avec ça. Je ne sais même pas par quoi je vais commencer. Ha ha ha, lol. Ok. C'est parti. Voici l'histoire. En fait, une amie m'a invitée au restaurant un samedi. Avant qu'elle me propose le resto, faut savoir qu'avec elle, on a déjà programmé une soirée, mais c'était plus tard pour partir en boîte. Elle m'a demandé si j'étais dispo ou pas, et moi j'ai répondu oui, je suis dispo. Elle m'a dit ok, je te rajoute dans la réservation avec nous. Et j'ai demandé vous qui? Elle m'a dit je vais venir avec des copines à moi. Et j'ai dit ok, d'accord, ça marche. Et le jour J est arrivé, on a fini par manger et on s'est dit bon ben let's go, on va aller en boîte. Et sur la route, une de ses copines dit qu'un ami allait nous rejoindre. Et je me suis dit ok, c'est cool. Au moins il y a un mec qui va nous rejoindre. Je vais pas être le seul mec de la soirée. Et à la fin de la soirée, c'est là que la vraie histoire commence. Donc là, c'était juste le contexte. Ok. J'ai commencé à regarder le gars. À le regarder. Lol, tu connais. Et j'osais pas lui parler. J'ai dit à sa pote, le gars là, c'est ton ami en vrai ou c'est ton copain? Et la fille, elle m'a répondu, c'est mon meilleur ami. J'ai dit, ok, c'est cool. Il est beau, hein, il est pas mal du tout. Coquin, va. Et la fille m'a dit directement,
va lui parler. Mais je sais pas s'il est branché ou pas, mais essaye, après tu verras, disait la copine. Et je suis partie lui parler. En gros, j'ai dragué le mec. Et il a dit qu'il n'était pas dans ce milieu-là. Oh, bichette. Et j'ai dit, je te comprends, t'inquiète. Après la soirée, tout le monde était rentré. Et quelques jours après, j'ai parlé avec ma copine qui m'a invitée à la soirée. Et je lui ai demandé l'Instagram de la fille qui avait ramené son pote avec nous. Donc, elle m'a envoyé son Instagram. Et quand j'ai vu son nom sur Insta et que j'ai vérifié ses photos, elle était déjà abonnée à mon compte à moi. Et donc, je l'ai follow back. Et j'ai commencé à parler avec la fille. Et je lui ai demandé si son pote était fâché ou pas. Après, elle m'a dit non, tranquille, t'inquiète. Et moi et la fille, on a commencé à parler. Ouais, ça a été le soir. Donc, en fait, en gros, il y a 5 ans passés, moi et la fille, on s'était déjà croisés. On s'est embrassés et il s'est passé des choses. C'était un coup d'un soir. Et je me rappelle même pas. Je me sentais gênée, j'avais honte de moi. Déjà, je me rappelle pas d'elle. C'est elle qui m'a fait rappeler qu'il y avait déjà une histoire entre elle et moi. Et moi, j'ai dragué son meilleur ami. Oh, pire honte et confession. Oh my god. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens comme cette personne qui a confessé là? Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui se rappellent même pas des personnes avec qui elles font des choses quoi? Comment tu peux oublier le visage de la personne qui a fricoté avec toi dans un lit? Enfin... Et qu'ensuite, tu te permettes de draguer son meilleur ami? Je sais pas quoi dire. Dites-moi ce que vous en pensez, guys, en commentaire. Là, franchement, là, c'est le summum. Et j'aimerais pas être à la place de la fille, parce que ça doit être dur, quoi. Surtout si elle a vraiment kiffé votre soirée et tout, et qu'en plus, elle t'a follow, ça veut dire qu'il y a quelque chose, en fait. Enfin, ça veut rien dire, peut-être. Mais elle t'a follow, tu l'as jamais follow back. 5 ans après, c'est là, parce que tu as vu son meilleur pote, c'est là que tu l'as follow, juste pour poser des questions à propos du meilleur pote en question. Mais tu as oublié ce qui s'est passé entre vous deux. Honte à toi. Honte sur toi. J'en ai fini avec cette partie 3 de vos pires confessions. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, j'ai une communauté de dingue. Vous me faites tout le temps rire et merci pour ça. Et si vous voulez témoigner pour ceux qui sont intéressés à me partager leur pire honte, bah, allez-y, je vous mets juste l'adresse mail là pour ceux qui veulent vraiment rester en anonyme. Sinon, venez me rejoindre sur Instagram. Comme ça, vous allez me partager vos pires hontes, pires confessions, pires expériences. J'en ai encore d'autres, mais voilà quoi. Donnez-les-moi, envoyez ici qu'on puisse rigoler ensemble là de vos bêtises. Ça veut pas dire que moi non plus j'ai pas des confessions et des hontes à vous raconter, mais juste que je vous ferai une story time là-dessus. D'ailleurs, il y en a une qui vient de me traverser l'esprit là. Je viens de m'en rappeler là. En entendant toutes ces histoires de soirée et tout ça là. Guys, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Vous commentez, likez, partagez la vidéo et vous rejoignez la Chachou Familia. C'est la deuxième fois que je la dis ça. Je crois que c'est ce qui va rester hein, si vous ne proposez pas. Comment est-ce qu'on va appeler notre team, notre famille? Donc voilà, guys, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous love et je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.